C'était pour la plupart des familles comme les autres. Elles se sentaient bien chez elles. C'était des familles unies et heureuses. Elles savaient qu'on les surveillait, mais jamais elles n'auraient pu imaginer ce qui allait se passer cette nuit-là. Aniusza, ты можешь это закончить завтра? Хорошо, папа. Кто там? Проверка документов. Открывайте дверь. Что случилось, начальник? Ты проверь там. Ты останься здесь. Его сюда. Садитесь. Вы Тарасюк Николай? Да. С вами проживает Мария Павловна, Анна Михайловна, Иван и Настя Тарасюк? Да. В соответствии с решением советского правительства, вы и члены вашей семьи подлежите выселению в Сибирь. На вечное поселение за антисоветскую деятельность как активные участники нелегальной секты свидетели Иеговы. В вашем распоряжении 2 часа. Что мы сделали плохого против государства? У вас есть возможность остаться, если вы подпишете документ о прекращении всякой деятельности с сектой свидетелей Иеговы. Мы не можем этого сделать, начальник. Вам лучше быть выселенными? Мы не хотим быть выселенными, но мы не можем отказаться от Бога тоже. Тогда у вас 2 часа. Обыщите дом. Встань, сядь там. Иегова позаботится о нас. Не волнуйся. Иегова будет. En avril 1951, en l'espace de 3 nuits, cette scène s'est reproduite à de nombreuses reprises dans toute l'Union soviétique occidentale. Des milliers de familles chrétiennes, hommes, femmes et enfants, ont été embarquées dans des wagons de marchandises et exilées en Sibérie. Cette déportation massive a constitué l'épisode le plus dramatique de la guerre idéologique menée pendant des dizaines d'années contre les témoins de Jéhovah, une attaque qui a mis leur foi à rude épreuve. Aujourd'hui, les témoins de Jéhovah pratiquent ouvertement leurs activités religieuses dans tout le territoire de l'ex-Union soviétique. Ils prêchent librement, mais ce ne fut pas toujours le cas. Ils tiennent à présent de grands rassemblements religieux. Pourtant, pendant la majeure partie du XXe siècle, le puissant gouvernement soviétique s'est évertué à neutraliser leur organisation. Pourquoi cela? Comment les témoins ont-ils pu survivre et prospérer dans les anciens pays soviétiques? Pour répondre à ces questions, il nous faut revenir brièvement sur les témoins de Jéhovah et sur leur histoire. Jéhovah est le nom de Dieu dans la Bible.
Vers la fin du XIXe siècle, les témoins de Jéhovah étaient déjà présents en Russie. En 1913, les autorités impériales les avaient reconnus officiellement, les autorisant à publier des ouvrages et à déployer une activité missionnaire à l'intérieur des frontières de l'Empire russe. Toutefois, malgré cette autorisation officielle, le climat religieux de l'époque ne constituait pas un terrain favorable à une telle activité missionnaire. La Russie était un État clérical orthodoxe. Naturellement, cela laissait peu de place pour d'autres religions dans la sphère spirituelle de la société russe. Il existait un second groupe, celui des religions tolérées, les catholiques, les baptistes, les musulmans et les bouddhistes. Puis venait un troisième groupe, les religions intolérables. S'y retrouvaient pratiquement toutes les autres religions. Elles étaient persécutées, espionnées et en général subissaient la pression de la police. Quelques années seulement après la révolution communiste de 1917, l'attitude du gouvernement s'était durcie à l'égard de toutes les religions. En 1940, l'Union soviétique en était venue à englober l'Ukraine occidentale, les pays baltes et la Moldavie, des territoires où vivaient de nombreux témoins de Jéhovah. De ce fait, l'Union soviétique héritait soudain de milliers de familles de témoins supplémentaires. Puis survint la Seconde Guerre mondiale. De nombreux citoyens soviétiques furent incarcérés dans des déjà été fixé par écrit, donc la religion devait être combattue. Après la Deuxième Guerre mondiale, les attaques contre les témoins s'intensifièrent, le nombre d'arrestations augmenta de façon spectaculaire. Ils nous interrogeaient pour découvrir qui dirigeait l'organisation, qui étaient les anciens. Je ne leur ai pas répondu. Alors ils m'ont battu, ils m'ont frappé, comme ça, là et là, partout. Et ça a été comme ça tous les jours. C'était en 1947. J'avais 19 ans. Avec un autre témoin, nous avons été envoyés dans l'extrême nord, dans la région de Kaïski. Nous avons été condamnés à 5 ans de détention. Dans les camps de travail, les conditions étaient vraiment atroces. C'était l'anarchie. On avait faim, on avait froid. Quand ils m'ont arrêtée en 1950, j'étais enceinte de 5 mois. Mon fils est donné en prison le 13 août. Selon les documents de la Sûreté d'État, 1048 témoins furent arrêtés de 1947 à 1950. Les témoins de Jéhovah étaient ceux dont la situation était la plus difficile, en Ukraine comme dans toute l'Union soviétique d'ailleurs. L'Église orthodoxe et les autres religions
ont connu des pressions, mais je pense que les témoins de Jéhovah ont subi des attaques de façon beaucoup plus systématique. Mais, contrairement à ce qu'espéraient les autorités, les arrestations ne mirent pas fin à leurs activités. Ils ont compris que les arrestations ne suffiraient pas. Ils n'arrêtaient pas les personnes âgées ni les enfants. Mais les enfants aussi prêchaient. Ils ont donc envisagé une forme de punition qui isolerait totalement les témoins de Jéhovah du reste de la société. Le 19 février 1951, Abakumov, le chef de la Sûreté d'État, présente à Staline un plan secret. Tous les témoins de Jéhovah, y compris les enfants et les femmes enceintes, seront envoyés en exil. Le nom de code de ce plan est « Opération Nord ». Staline approuve le projet. Tôt le matin, il devait être 5 heures, les militaires sont venus nous chercher avec mitraillettes et chiens. Et ils ont présenté des documents à mes parents, à mon père, qui déclaraient que notre famille devait être exilée en Sibérie parce qu'elle faisait partie de l'organisation des témoins de Jéhovah. Ils nous ont confisqué notre Bible, la dernière qui nous restait. J'ai demandé à ma mère, « Maman, nous sommes les seuls à être emmenés. » Elle m'a répondu, « Je ne sais pas. » Des centaines de familles de témoins furent emmenées en camion vers des gares dans toutes les régions occidentales de l'Union. Les camions arrivaient avec leur chargement. Ils arrivaient par là et les wagons étaient garés là. Le premier camion et le deuxième se sont arrêtés près d'un wagon de marchandises. Une de nos sœurs était enceinte. L'officier l'a insultée, il l'a traitée de tous les noms et s'est moqué d'elle. Et ça n'a pas arrêté. Quand un wagon était plein, il fermait les portes. Et il faisait de même à côté, sans arrêt. Les témoins ont été arrachés des maisons et des fermes qui appartenaient à leurs parents et grands-parents depuis des générations. Ils ont dû quitter leurs prés et leurs vergers fertiles pour les terribles solitudes de Sibérie. Ça a été très dur pour mes parents. À l'époque, la Sibérie était vraiment une région abominable et on a connu d'énormes difficultés. L'histoire de la Russie rapporte que des millions de personnes ont été condamnées à l'exil en Sibérie pour toutes sortes de motifs. Mais seuls, les témoins de Jéhovah furent bannis en masse en tant que mouvement religieux. Précisons toutefois qu'on leur proposait un moyen d'échapper à l'exil. L'homme qui avait été chargé d'arrêter notre famille a fait preuve de bonté. Pendant un long moment, il a essayé de persuader mon père de signer une déclaration par laquelle il reniait l'organisation des témoins de Jéhovah. Peu de témoins acceptèrent cette transaction, voire aucun. Comme la discussion ne menait à rien, l'officier a dit, « Bon, dans ce cas, nous sommes obligés de vous emmener. » Toute la population des témoins de Jéhovah d'Ukraine, de Moldavie et des pays baltes a été déportée en même temps. Ils emmenaient tout le monde. Ils laissaient aux familles 2 à 3 heures pour préparer leurs affaires et ils les chargeaient dans des wagons de marchandises pour le très long voyage vers la Sibérie. Il pouvait y avoir plus de 40 personnes dans un wagon comme celui-ci. Il y avait un poêle sur lequel on s'efforçait de faire un peu de cuisine. Pendant la moitié du voyage, ils ne nous ont rien donné à manger. On a partagé ce qu'on avait et réchauffé ce qui pouvait l'être. Les frères ont improvisé des toilettes. Il y avait un trou dans le coin. Ils ont coincé un seau. Et ça a été tout le confort qu'on pouvait avoir dans ces conditions. Pendant 20 jours, les trains ont parcouru des milliers de kilomètres à travers montagnes et prairies, jour et nuit.
Malgré toutes ces difficultés, nos frères et sœurs gardaient le moral. Ils s'encourageaient les uns les autres. Bon, on ne peut pas dire que nous avions constamment le sourire, mais on ne ressentait absolument aucune peur. Le bon moral des témoins leur a permis de s'encourager mutuellement. Cela aussi a surpris leurs gardiens. Ils étaient toujours étonnés de nous entendre chanter des cantiques. Ils nous demandaient « Comment se fait-il que vous soyez aussi calme? Mais vous êtes qui? Il vous emmène en cure? Où est-ce qu'il vous emmène pour que vous soyez aussi calme ?» Et quand on arrêtait de chanter, les gardes venaient nous dire « Pourquoi vous arrêtez-vous de chanter? Chantez encore un peu !» Le seul fait de savoir qu'il y avait des témoins dans les trains garés à côté du leur les encourageait. Au début, on n'entendait chanter que dans notre wagon. Mais après, quand d'autres trains sont passés, on a compris qu'il y avait aussi des frères dans ces trains. On les entendait chanter. On a vu passer un autre train. Il y avait dessus une banderole où il était marqué « Témoins de Jéhovah ». Alors, on était trois adolescents, on a vite rédigé un papier, nous aussi, et on l'a accroché à l'extérieur. Tous étaient courageux, ils avaient un moral d'acier. La sœur enceinte a accouché dans le wagon. Ils sont venus nous compter et ils ont dit « Regardez, il y a un témoin de Jéhovah de plus ». Le long voyage depuis les régions de l'Ouest toucha finalement à son terme. Arrivés en Sibérie, les témoins furent déposés dans des villages le long des lignes de chemin de fer. On leur annonça qu'ils passeraient ici le restant de leur vie. Les autorités locales étaient censées leur fournir un logement, mais les conditions d'hébergement n'étaient absolument pas acceptables. Au début, on a dû vivre sous des tentes. Mon fils aîné a attrapé un rhume qui a dégénéré en méningite. Finalement, il est mort. Un an plus tard, un autre fils nous est né, mais l'accouchement s'est mal passé. Ma femme a dû être opérée d'urgence. Ils l'ont opérée, mais ça s'est mal passé. Elle a souffert pendant un an, puis elle est morte. Finalement, ils nous ont emmenés dans un endroit qui avait été une prison. C'était terrible. Les lieux étaient infestés de punaises et de cafards. En Ukraine, nous n'avions jamais vu de punaises ou de cafards. La majorité des témoins, des hommes et des femmes, certains n'avaient que 15 ans, furent forcés à abattre des arbres pour des salaires de misère. Travailler dans les forêts sibériennes en plein hiver était terriblement éprouvant. En quelques minutes, les oreilles pouvaient être gelées. Il faisait froid, moins 40, moins 42, parfois moins 50. C'était un travail vraiment très pénible. Mais quand le temps se radoucissait, survenaient d'autres supplices. Dans la journée, il y avait plein de mouches, des mouches qui piquaient et qui rentraient partout, dans la bouche. On ne pouvait même plus ouvrir la bouche, dans les oreilles. On avait le visage tellement boursouflé qu'on ne se reconnaissait plus les uns les autres. Je me suis demandé si un jour je pourrais à nouveau lever librement les yeux au ciel. On se souvenait de l'époque où les Israélites vivaient en Égypte et étaient astreints au travail forcé. On priait. Dieu, ce travail dépasse nos forces. Affermis notre foi pour que nous puissions résister. Malgré une stricte surveillance, les congrégations continuèrent à se réunir pour étudier la Bible. Nous avons toujours attaché beaucoup d'importance à nos réunions parce qu'elles nous donnaient de la force, de la vigueur. Bien sûr, les réunions étaient interdites, mais nous n'avons jamais renoncé à les tenir, quelle qu'ait été la situation. Même dans les conditions les plus dures, on se réunissait par groupe de 5 ou 7, la nuit ou à 6 heures du matin.
Il se passait une chose amusante. Il y avait un chien dans le village et il n'aboyait que lorsqu'un inconnu y entrait. Alors, dès que le commandant de police arrivait à l'entrée du village, le chien se mettait à aboyer et on savait qu'il fallait tout cacher. La mort de Staline en 1953 fit espérer un soulagement. Mais il allait encore s'écouler beaucoup de temps avant que cela n'arrive. Le nouveau régime a poursuivi la même politique. Nous étions arrêtés et condamnés. Certains étaient condamnés à 15 ans. Moi, j'ai pris 12 ans, d'autres 10. La plupart des témoins arrêtés furent envoyés dans des camps de travail. Là, ils perdirent le peu de liberté qui leur était restée en déportation. Ils subissaient un simulacre de procès, les verdicts étant arrêtés d'avance. On nous condamnait à des peines de 10 ans sans aucun motif. Les greffiers sortaient parfois en pleurs parce qu'ils voyaient l'injustice qui se commettait et ils ne pouvaient rien faire, c'était très poignant. La sûreté de l'État avait déjà donné des ordres, le tribunal n'examinait même pas l'affaire. Le système des camps de travail était connu sous le nom de « Direction générale des camps », dont l'abréviation russe était « Goulag ». Dans ces camps, des millions de prisonniers sont morts d'épuisement, de froid et de faim. Les terribles conditions qui régnaient dans ces camps ont amené de nombreux prisonniers à écouter le message d'espérance des témoins de Jéhovah. Certains sont devenus témoins. Ce fut le cas de Fiodor Stepanov. Il a connu la faim et le froid. Chaque jour, il voyait passer des cadavres que l'on sortait du camp. Un jour, il a rencontré un témoin. Dans la conversation, je lui ai dit « La foi existe depuis si longtemps, mais elle n'a aidé personne. La vraie foi, ça n'existe pas. » Il m'a répondu « La vraie foi existe et la vérité existe aussi. » Et puis il m'a parlé de ce qu'enseigne la Bible. Antonina Fieschkova, qui se trouvait dans un camp pour femmes non loin de là, était elle aussi devenue témoin. Un jour, on lui a demandé de récupérer une publication clandestine qu'apporterait un témoin venant du camp des hommes. Elle ne connaissait que son prénom, Fiodor. Quand je l'ai vu, mon cœur s'est mis à battre et je me suis dit « Quel bel homme !» Fiodor est arrivé à la porte, il m'a serré la main et a glissé la publication dans ma main. On s'est souri, mais on ne s'est rien dit de spécial. Fiodor et Antonina se sont mis à correspondre grâce au réseau clandestin entre témoins. Quand j'ai été libérée, je l'ai attendu pendant 2 ans. Puis il est sorti et nous nous sommes mariés. Les 5 mois que nous avons alors vécu ensemble sont passés comme 5 minutes. Fiodor fut de nouveau enfermé pour « Possession d'écrits » édité par les témoins. Comme l'attestent les films de propagande anti-témoins, les autorités, officiellement athées, mettaient en œuvre des mesures spéciales pour faire disparaître les publications bibliques des témoins. Beaucoup de témoins avaient été arrêtés pour avoir diffusé de tels écrits qualifiés à tort de « politiques ». Les gens vivaient ici, ils étaient citoyens de ce pays, mais ils n'avaient pas vraiment la possibilité d'exprimer librement leurs opinions religieuses. Ils ne pouvaient pas satisfaire librement leurs besoins religieux. En quelque sorte, les gens vivaient en étranger, à l'intérieur de leur propre pays. Et les témoins de Jéhovah se sont retrouvés dans la même situation. Les témoins, c'est-à-dire le petit nombre d'entre eux qui avaient échappé à la déportation, installèrent de nombreuses caches souterraines pour y produire discrètement des publications. On pourrait nous demander aujourd'hui, mais qu'est-ce qui vous poussait à vivre sous terre? Eh bien, je répondrais que c'est le régime qui existait à la surface qui m'a incité à aller vivre sous terre. Au début, ils produisaient des publications en les transférant d'un original ancré à la main. Mais la demande grandissant, ils se mirent à les imprimer à l'aide de stencils et de machines. De plus en plus de personnes devenaient témoins de Jéhovah.
et il y avait beaucoup de nouvelles congrégations. Nous devions produire des publications non seulement pour les témoins d'Ukraine et de Moldavie, mais aussi pour ceux de Sibérie. Quand il commençait à manquer d'oxygène, Nikolaï se reposait un peu en attendant que l'air se renouvelle. C'est vrai, ce n'était pas un travail facile. Parfois, je ne sortais pas pendant 7 jours ou même plus. Mais dans ma cache, je me sentais libre. Вы Тарасюк Николай? Да. С вами проживает Мария Павловна, Анна Михайловна, Иван и Настя Тарасюк? Да. В соответствии с решением советского правительства, вы и члены вашей семьи подлежите выселению в Сибирь. На вечное поселение за антисоветскую деятельность, как активные участники нелегальной секты свидетелей Иеговы. В вашем распоряжении 2 часа. Что мы сделали плохого против государства? У вас есть возможность остаться, если вы подпишете документ о прекращении всякой деятельности с сектой свидетелей Иеговы. Мы не можем этого сделать, начальник. Вам лучше быть выселенными? Мы не хотим быть выселены, но мы не можем отказаться от Бога тоже. Тогда у вас 2 часа. Обыщите дом. Встань, сядь там. Иегова позаботится о вас. Не волнуйтесь. Иегова будет с вами. En avril 1951, en l'espace de 3 nuits, cette scène s'est reproduite à de nombreuses reprises dans toute l'Union soviétique occidentale. Des milliers de familles chrétiennes, hommes, femmes et enfants, ont été embarqués dans des wagons de marchandises et exilés en Sibérie. Cette déportation massive a constitué l'épisode le plus dramatique de la guerre idéologique menée pendant des dizaines d'années contre les témoins de Jéhovah, une attaque qui a mis leur foi à rude épreuve. Aujourd'hui, les témoins de Jéhovah pratiquent ouvertement leurs activités religieuses dans tout le territoire de l'ex-Union soviétique. Ils prêchent librement, mais ce ne fut pas toujours le cas. Ils tiennent à présent de grands rassemblements religieux. Pourtant, pendant la majeure partie du XXe siècle, le puissant gouvernement soviétique s'est évertué à neutraliser leur organisation. Pourquoi cela ? Comment les témoins ont-ils pu survivre et prospérer dans les anciens pays soviétiques? Pour répondre à ces questions, il nous faut revenir brièvement sur les témoins de Jéhovah et sur leur histoire. Jéhovah est le nom de Dieu dans la Bible. Vers la fin du XIXe siècle, les témoins de Jéhovah étaient déjà présents en Russie. En 1913, les autorités impériales les avaient reconnus officiellement, les autorisant à publier des ouvrages et à déployer une activité missionnaire à l'intérieur des frontières de l'Empire russe. Toutefois, malgré cette autorisation officielle, le climat religieux de l'époque ne constituait pas un terrain favorable à une telle activité missionnaire. La Russie était un État clérical orthodoxe. Naturellement, cela laissait peu de place pour d'autres religions dans la sphère spirituelle de la société russe. Il existait un second groupe, celui des religions tolérées, les catholiques, les baptistes, les musulmans et les bouddhistes. Puis venait un troisième groupe, les religions intolérables. S'y retrouvaient pratiquement toutes les autres religions. Elles étaient persécutées, espionnées, et en général, subissaient la pression de la police. Quelques années seulement après la révolution communiste de 1917, l'attitude du gouvernement s'était durcie à l'égard de toutes les religions.
En 1940, l'Union soviétique en était venue à englober l'Ukraine occidentale, les pays baltes et la Moldavie, des territoires où vivaient de nombreux témoins de Jéhovah. De ce fait, l'Union soviétique héritait soudain de milliers de familles de témoins supplémentaires. Puis survint la Seconde Guerre mondiale. De nombreux citoyens soviétiques furent incarcérés dans des déjà été fixé par écrit. C'était pour la plupart des familles comme les autres. Elles se sentaient bien chez elles. C'était des familles unies et heureuse. Elle savait qu'on les surveillait, mais jamais elle n'aurait pu imaginer ce qui allait se passer cette nuit-là. Alyosha, tu peux ça finir demain? D'accord, papa. Кто там? Проверка документов. Открывайте дверь. Что случилось, начальник? Ты проверь там. Ты останься здесь. Его сюда. Donc la religion devait être combattue. Après la Deuxième Guerre mondiale, les attaques contre les témoins s'intensifièrent, le nombre d'arrestations augmenta de façon spectaculaire. Ils nous interrogeaient pour découvrir qui dirigeait l'organisation, qui étaient les anciens. Je ne leur ai pas répondu. Alors ils m'ont battu, ils m'ont frappé comme ça, là et là, partout. Et ça a été comme ça tous les jours. C'était en 1947. J'avais 19 ans. Avec un autre témoin, nous avons été envoyés dans l'extrême nord, dans la région de Kaïski. Nous avons été condamnés à 5 ans de détention. Dans les camps de travail, les conditions étaient vraiment atroces. C'était l'anarchie. On avait faim. On avait froid.
Quand ils m'ont arrêtée en 1950, j'étais enceinte de 5 mois. Mon fils est donné en prison le 13 août. Selon les documents de la Sûreté d'État, 1048 témoins furent arrêtés de 1947 à 1950. Les témoins de Jéhovah étaient ceux dont la situation était la plus difficile, en Ukraine comme dans toute l'Union soviétique d'ailleurs. L'Église orthodoxe et les autres religions ont connu des pressions, mais je pense que les témoins de Jéhovah ont subi des attaques de façon beaucoup plus systématique. Mais, contrairement à ce qu'espéraient les autorités, les arrestations ne mirent pas fin à leurs activités. Ils ont compris que les arrestations ne suffiraient pas. Ils n'arrêtaient pas les personnes âgées ni les enfants. Mais les enfants aussi prêchaient. Ils ont donc envisagé une forme de punition qui isolerait totalement les témoins de Jéhovah du reste de la société.